Salut à tous, c'est NoColeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'information. Alors, comme vous pouvez le constater, ou plutôt l'entendre, j'ai un nouveau micro. Donc, ça va m'ouvrir les voies des jeux d'horreur et surtout, ça va améliorer les qualités de mes vidéos avec le micro que j'avais avant, que j'utilise toujours quand je joue avec mes potes, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment juste pour l'enregistrement avec le micro que j'avais avant. Excusez-moi, je viens de recevoir un message. Non, ce n'est pas un message. C'est pas grave. Donc avec le micro que j'avais avant, la qualité était pas terrible. Donc pour les jeux d'horreur, je l'avais déjà dit. Mieux vaut mettre une qualité, le maxi, la meilleure qualité possible, on va dire, pour avoir une expérience de jeu pour vous, la meilleure. De tout simplement. Donc, alors, au niveau des jeux d'horreur, donc il y a bien sûr le seul que j'ai actuellement, c'est Amnesia. Donc Amnesia, donc c'est très très répandu en ce moment sur YouTube, ça marche très bien. Donc et puis moi, je suis vraiment accro sur PewDiePie ou Morphar, enfin vous voyez de qui je parle. C'est comme des grosses pièces, donc excusez-moi. Des grosses pièces donc et à force de regarder PewDiePie, Morphar, tout ça ça m'a donné vachement envie d'essayer ce genre de jeu donc voilà j'ai acheté Amnesia. Alors ce que je vais faire donc je vous laisse le choix. Je vais pas faire le playthrough de l'histoire d'Amnesia parce que pour moi ça ne sert à rien tout simplement parce que c'est beaucoup trop répandu partout sur le net sur YouTube pour que ça ait un quelconque intérêt pour vous, sauf si vous avez jamais vu, mais dans ce cas je vous conseillerais des chaînes qui sont tout à fait passables pour même excellentes pour ce genre de playthrough. Du coup je vais pas faire ça, je vais faire alors ce sera soit Amnesia Justine, donc qui est une sorte d'histoire complémentaire qui se passe en France dans une maison de psycho, qui est encore pire que l'histoire normale. Le jeu sera en anglais, donc je vous traduirai à chaque fois. Ça me fera progresser en anglais. Yeah! Ou sinon, une custom story que je viens de télécharger qui s'appelle La Casa. Donc, c'est une custom story qui est pas, qui a été jouée par PewDiePie, tout ça, mais il y a assez longtemps. Donc voilà, j'avais envie de la faire parce que je l'avais vu la custom story, mais c'était genre 5-6 mois. Je m'en souviens plus trop et comme je sais qu'elle est excellente, pourquoi pas? Ou sinon, si je vois qu'il n'y a pas vraiment d'envie de voir la Casa, je trouverai une custom story plus récente, mais bon, autant essayer de s'attacher à des valeurs sûres au début. Voilà, vous choisissez entre les deux, je vous laisse le choix. Il me faut aussi, si vous voulez, le gameplay du prochain champion sur LoL. Si vous voulez, hein. Après, sinon, pour le moment, LOL, j'ai un peu de mal parce que les vidéos sont trop lourdes en fait. Et je suis obligé de les mettre en trois parties, c'est un peu relou. Donc, je préfère pour le moment faire des vidéos de 15 minutes, donc de jeux comme Amnesia par exemple, ou des petits passages de FPS, donc comme je vous l'ai dit, pas de Modern Warfare ni de BF3, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, plutôt le LOL, je vais attendre d'avoir un logiciel pour compresser mes vidéos et pour pouvoir faire plus de 15 minutes à chaque vidéo. Parce que YouTube me permet de faire des vidéos de plus 15 minutes, mais au-delà de genre 15 minutes, ça pète un câble parce que mes vidéos pèsent beaucoup trop lourd. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc le LOL pour le moment c'est en patience, bien sûr ça reviendra obligatoirement parce que j'adore ce jeu. Donc voilà, ce que je prévois une série où je ferai que des ranked. Bon, les commentaires seront pas à flot dans ce genre de série parce que je vais devoir être extrêmement concentré. Mais on va voir comment je vais me débrouiller parce que c'est vrai que là j'ai encore baissé au niveau Elo. Je tombe généralement avec des gens qui ont une mentalité de base pas acceptable pour win. Donc à la limite je veux bien lose mais avec franchement je m'en fous de lose ou de win mais ce qui m'importe c'est de prendre plaisir à jouer. Donc quand on tombe sur des teams qui se foutent sur la gueule entre elles, déjà vous avez aucune chance de gagner mais en plus voilà quoi, c'est n'importe quoi. Ça fout le bordel et tout le plaisir du jeu s'évapore. Donc voilà, j'espère dans cette série me dégager donc des alentours de 1200 d'Elo et d'essayer de percer. Donc on va voir ça, parce que généralement je fais des bons scores en plus, c'est ça le pire.
Voilà, j'espère que ce nouveau micro vous plaît. À mon avis, oui, parce que c'est une bonne qualité. Je l'ai acheté. C'est un micro de marque Sanson, il me semble. Donc, je l'ai eu sur internet, sur je ne sais plus quel site, LDLC, je crois. Et je l'ai eu à 80 €. Donc, oui, c'est un investissement, mais bon, pour quand on est passionné comme moi, je vois pas pourquoi on se priverait plutôt que de payer autre chose. Après tout, chacun ses passions. Voilà. Donc commentez cette vidéo, commentez, please, ok? Vous êtes un petit nombre, mais je sais que vous pouvez commenter, si au moins il y a une dizaine de commentaires, moi ça me suffit. Je vois qu'il y a de la vie sur la chaîne, blablabla, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement commentez, mettez des likes, regardez ma dernière vidéo de LOL, faites ce que vous voulez après tout, vous êtes abonnés, vous êtes des rois ici, le client est roi j'ai envie de dire, donc voilà. Je vous aime. Au revoir.